L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et sa compagne sont arrivés ce vendredi 9 décembre 2022, soir, dans la région de la Mé, comme constaté par BidjanTV.net. Laurent Gbagbo, qui effectue une visite d'amitié les 9 et 10 décembre 2022 dans la région de la Mé, prononcera son discours ce samedi 10 décembre 2022 au stade d'Alzopé. Ce jour, le natif de Mama, arrivé à Yakassé-Mé dans la soirée, a été accueilli par les populations acquises dans la ferveur des jours de fête. Laurent Gbagbo, accompagné de Nadi Bamba, n'a visiblement pas prononcé de discours devant les populations de Yakassé-Mé. Sa prise de parole se fera ce samedi au stade d'Alzopé, où les populations de la région de la Mé y ont été conviées. Depuis son retour au pays, après son périple judiciaire à la Cour pénale internationale, CPI, c'est la première visite que l'ancien président effectue dans cette région. Commencer la discussion sur les quelques problèmes qui peuvent encore
Stéphane Kipré, Kiki Benzemi. Mais si elle me joue du monde, mais l'Argentine n'est pas championne du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Oh yeah, Ibouti Abagaté. Oh yeah, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Ibé Sangaré. Oh yeah. Power Bull. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Y'a deux FBI, y'a deux NDR, y'a deux PDCI, même PIT, y'en a deux. Léo Bléhiri. Oh yeah. Diallo. Oh yeah, Docteur Honoré Maya. Oh yeah, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. On peut pas promettre la paix, être champion des rancunes. Tu veux rendre le village beau, pourtant ta maison est sale. Tout se sent versé, s'est déplacé, sa maison saccagée. Ne vous ont pas servi de leçon, pardonnez. Ayez pitié, ayez pitié. Personne ne viendra faire la paix à notre place. Pardonnez, ayez pitié, ayez pitié. Personne ne viendra faire la paix à notre place. Où Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Personne ne viendra faire la paix. Personne ne
et qui font leur civilité au président Laurent Gbagbo et à son épouse. Je voudrais aussi qu'on ovationne les chefs pour leur présence. On ovationne les chefs. On ovationne les chefs. Ceci dénote de l'adhésion de toutes les régions de la paix à cette visite historique pleine d'émotion et de chemin. Je disais tantôt que l'histoire ne se répète pas, mais que l'histoire a des repères. Et dans le combat politique du président Laurent Gbagbo, cette région de la paix était une région et est toujours une région de référence. L'adhésion des fils et filles de cette région de la Côte d'Ivoire n'a jamais fait défaut au président Laurent Gbagbo. J'en veux pour preuve la présence massive de tous ces chefs qui font leur civilité maintenant au président Laurent Gbagbo avant que nous continuions le déroulé de cette cérémonie. Nous allons devoir bien évidemment accélérer la cadence parce que le soir commence à tomber et il faut que la cérémonie se passe en plein jour. Au chef, au président Laurent Gbagbo, par le chef de cette couronnée, il va avoir maintenant l'échange, je demande de nouvelles entre les deux délégations. Je laisse la parole au représentant de l'armée qui va piloter cette partie. Vous pouvez aller. Été inscrit par le président Gbagbo pour vous dire qu'il venait ici aujourd'hui. Effectivement, il s'est levé ce matin, comme on le dit chez nous, les enfants ont pleuré, les adultes n'ont pas répondu, c'est que rien n'était grave autour de lui. Il a pris la route, accompagné de son épouse, accompagné par les membres de la direction du parti. Si je vais les citer tous, je risque de me tromper. C'est pourquoi je citerai le président exécutif Oula Hubert et le secrétaire général Davana Adia Picas. Donc il est venu ce matin chez vous. Voici les femmes en charge de cette cérémonie. Merci, maman. De vous adresser ces chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue sur les terres de l'armée qui sont vos terres. Nous savons que vous ne nous avez jamais oublié dans vos programmes. Et encore une fois, pour commencer votre entrée dans l'armée, vous avez souhaité
commencer par le leader de Yakassimé. Oui, Yakassimé, c'est l'entrée. Mais on peut passer par tout ailleurs pour aller à Assoufé. Mais vous avez encore une fois choisi Yakassimé. Toute la délégation de la chefferie traditionnelle avec à leur tête les chefs cantons me charge de vous dire à quoi va. Vous êtes chez vous et nous vous avons entendu. Bonne arrivée et que la cérémonie se passe très bien. Merci Monsieur le Président. Merci Madame. C'est moi.